Luna, donc j'habite Strasbourg, je suis née à Strasbourg. Et ça a été ma sensibilisation au niveau sens politique ou de vouloir faire quelque chose, ça a été à partir du mouvement Les Indignés, où j'ai entendu dans les médias dire qu'il faut rassurer les marchés. Et je trouvais ça intolérable, insupportable de penser au marché et de ne pas penser à l'humain. Donc voilà, et puis ensuite il y a eu la campagne de Mélenchon, du Front de Gauche et de l'humain d'abord. Et puis et voilà, et c'est comme ça que j'ai voulu un petit peu militer aussi, ne pas simplement être assis sur une chaise et dire faut changer le monde. Et je me suis dit poser un acte, et le Parti communiste me parle véritablement par rapport à mes idéaux, quoi. L'humain d'abord, c'est ben, moi ce que je voudrais, c'est un monde où il n'y ait plus de misère, que tout le monde ait un travail, que tout le monde ait un toit, qu'on n'exploite pas les autres pays, que ce soit un pays, c'est très utopique, mais qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il y ait une coopération mondiale. Je sais pas, moi, je ne peux pas être bien en sachant que j'exploite, même si je ne suis pas acteur, mais je sais que l'Europe refoule des gens qui demandent de l'aide parce que dans leur pays, ça va mal, et c'est à cause de nous, en fait, c'est à cause de l'Europe. Je veux dire, donc pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable. Là, on est en plein cœur du sujet de changer l'Europe, de changer ses traités, de changer ce néolibéralisme et de revenir à la souveraineté des pays et d'utiliser l'argent de la BCE bah, pour la population, pour l'économie locale, pour l'économie des pays, pour les peuples, pour la population, et non pas des marchés financiers.